Karel in Miami, c'est web série ça que nous portons pour vous, côté que nous avons rencontré un pile monde qui dans communauté a artistes, célébrités, community leaders et bien sûr elected officials tout, qui est très important. Sud Floride, c'est pratiquement côté qui gagne un pile haïtien, un pile haïtien qui a vivre là, mais un pile haïtien tout qui entré dans politique en façon pour être capable de changer donné pour haïtien pareil. Et bien sûr investi dans la communauté, dans la façon par rapport à la politique. Moi, je suis là avec une personnalité que j'ai envie de rencontrer depuis longtemps pour me faire un petit chita. Nous rencontrons déjà, mais j'ai envie de faire une petite interview avec lui pour nous faire une histoire. Parle, puisque lui, définitivement, son success story. Et immigré boy ici, là, à l'âge de 17 ans, par contre, parle les pièces anglais. Et lui, vient tourner premier haïtien qui commissionnait dans Miami. Et nous, certainement, attendons une pile fois. Commissionnaire Jean-Mon Estime, c'est pas commissionnaire qui signature. C'est Jean-Mon Estime qui relé et moi côté avec commissionnaire pour nous parler un petit cas de histoire et puis bien sûr pour l'annoncer gros qu'on tient une nouvelle ça qui capable faire de lui encore une fois premier haïtien qui prend le maire Miami-Dade County. Commissionnaire, je suis content avec vous. Merci parce que vous recevez nous dans le bureau, comment vous êtes? Karel, merci en pile parce que vous venez dans le bureau en fait si parler ça avec nous en forme. Yeah. Et avant nous même partir, m'a saluer tout monde qui fanatique show hein, yeah. Et puis qui tendo ni dans radio yeah. Ni sur social media yeah. Et puis quel que soit côté oyé et dans esprit communauté que me représenter qu'on y a là yeah. M'a dit happy Thanksgiving voilà ou toujours été haïtien ou toujours réclamé sous malgré bien sûr que ou capable dire au sommet de scène politique là ici dans ouais. De Sud Floride ouais. En font petit bac de raison qui fait côté immigré boy ici là ouais. Et l'ovini qui ça pral menon dans politique bon ouais. bon pas quoi bon et raison fait m'immigrer pas haïtien parce que c'est yon nan 10 petite maman papa mm-hmm. Et maman papa gagne 5 filles que yo fait avant 5 garçons yo wow. Et parmi garçons donc fait 5 yo fait 5 parmi 5 garçons yo c'est moi premier okay. Et ou connaît dans culture haïtienne et dans le passé mm-hmm. Par contre si moun yo dit ça toujours mm-hmm. Mais dans le passé famille yo toujours croit que c'est et petit garçon qui pas lever tête famille hein? Tout à fait. Et voilà-t-il que maman m'a 5 petites avant moi et puis m'a 4 six frères à l'époque qui puis petit passé mais puis et bon nous t'es pensé dans l'époque ça dans les années 79 80 que la vie t'es difficile en Haïti mm-hmm. En province surtout et nous t'habitait Saint-Louis du Nord et nous t'es pensé la vie t'es difficile donc m'a toujours dit maman depuis le m'a 15 16 ans que m'l'ai aidé que m'l'ai aidé. Et puis en pile fois le courir derrière moi il dit ah c'est pas manger me capable pas capable qui donc on va connait soit dit qu'on veut aider me voulait partir là et puis dans comme toujours dit on va pas capable tout manger et finalement et quand l'heure qui vient arriver papa qui t'a fait des activités vient partir là Bahamas et puis nous rester avec maman dans Caïlan et dans certaines dans ce mieux à l'école Port-au-Prince. Et moi-même, j'étais à l'école Poids de Paix, en 6e secondaire à cette époque. Je suis retourné à Saint-Louis à l'école. Et puis, maman m'a décidé, bon, j'ai le vraiment pour me quitter le pays. Hein, parce que papa m'a à l'étranger. Et il a pleuvé 5 petits garçons. Et puis, il a cherché une occasion pour me partir. Mm-hmm. C'est comme ça que, okay. En 1980, je quitte Haïti. Ok. Mm-hmm. Oui, mais bon, ici, là, ça fait pour ta fin de chita là, quelques années après, pour entrer dans la politique pour venir une personnalité connue, c'est pas ton bail qui était dans la tête. Ou. Ça veut dire que des moments où c'était peut-être jouer un travail et puis provide, j'ai mon dieu capable oui. De jouer. Oui, premièrement, et politique n'est pas un bail qui était dans le calendrier non du tout, mm-hmm. Ça pas un agenda non du tout. Et surtout dans le contexte, ça, papa qui était un petit peu très dur avec nous, t'a dit bon, il y a deux bagailles, sous vin Miami, sous Ferro, ma prentrée, m'in tuyo. Monsieur dit sous nan drogue yeah. Sous nan politique m'a rentré minsu wow. Donc politique n'a pas là dedans du tout donc parce que peut-être excusez-moi parce que peut-être que c'était même pensé par rapport à Jean politique était en Haïti à cause de Jean politique en Haïti et parce que papa m'a pas aux États-Unis mais et nous m'était fait papa m'était rentré Bahamas et puis me passer Bahamas okay. Me fait quelques mois avec papa avant que le rentre ici conversation ça fait avec lui
Obamas, Ouais. parce qu'à l'époque, c'était le Miami qui a soulevé en pile OK. contre la dictature en Haïti. Ouais. Hein? Et même pendant le Bahamas, on apprend des nouvelles tout le temps, il y a une manifestation, il y a une démonstration dans la rue. Et puis, monsieur dit, bon, soit, Ripawola. il n'y a pas besoin de faire Yeah. ça. Donc l'homme vient rentrer ici, monsieur dit, besoin pour aller à l'école et puis pour chercher comment pour venir un monde qui est productif. Et puis, aider maman, et puis moi-même, je retourne en Haïti à travail. Donc, j'ai 17 ans, l'homme rentre ici, sans que maman me batte ici, papa me batte Bahamas. Donc, 2 semaines après, je suis dans la manifestation rouge. Ça, on ne peut pas faire assez là de Ah, dans aller. la manifestation rouge. Comment on fait la manifestation? Bah, on est même dans la manifestation rouge. Et puis, à cause de l'influence et certains amis, certains membres de la communauté hein, qui étaient vraiment venus convaincre moi un petit peu de temps que oui, on a peur politique là en Haïti, mais Ici, à différent. ici en différent, donc il y a respecté droit, même là, nous pas de papier, là, ça, mais il y a des gens qui ont conduit et travaillé pour ben, nos papiers à cette époque. Ok. Mais quand on y a, ça veut dire, intérêt côté gain, c'était, parce que je supposais que un jeune garçon qui rentre bon, ici, là, qui rentre dans la politique, la ville va changer dans la façon que le web a dans le sens que vous levez en façon en Haïti, ici, là, c'est tout un autre système, c'est tout un autre implication, tout que politicien a gagné dans le système et politique, et bon, ici, là. Donc, ça, certainement, pour Alvin, peut-être, lui monter lumière dans la tête et dit que peut-être vous capable de faire chemin là. Oui, mais c'est qu'on a réalisé que tout bagaille ça yo, c'est yo qui fait route pour moi pour m'arriver côté mien. Parce que à cette époque, je pas vraiment comprendre la différence entre civisme, activité civique et puis politique. So ça, mon yo t'a pensé ici, Qui hein, c'est c'est poli. étant que citoyen, c'est droit civique que vous avez exercé dans la Ouais, mesure où que manifester, et faire pour manifester, une faire voix proposition, faire pour entendre, attendre, oui. et parce que si vous pas fait ça, non seulement vous souffrez plus, mais le monde qui a venu après vous a souffert Voilà, en beaucoup Haïti, nous relais plus. le politique, ici, là, c'est service. C'est civisme, Oui. c'est activisme Ouais. politique. Donc c'est à mesure que nous avons développé et dans l'environnement et réfugiés, dans l'environnement immigrant, que m'a réalisé que non. En réalité, c'est de rares fois que gain des gens qui ont arrêté et pour désobéissance civile. Mais cependant, les gens, en pile fois, ils ont la même. Et ce n'est pas comme si on le mettait en prison comme prisonnier Politique, politique. oui. Donc, nous venons apprendre ça très rapide. Et puis, je suis devenu un activiste. Malgré que le nom entrant, l'idée, c'est que, OK, je viens de l'école, et puis je prends un diplôme, je retourne en Haïti, je travaille pour mes parents. Et puis, je pensais, je passe 6 ans, 7 ans ici, et puis je retourne en Haïti. Oui. Bon, dans Et quelques. puis, Ouais. pays à Kembo. Enfin, communauté à Kembo, comme dit. Bon, la vie en Guébé, ici. La vie en Guébé, là. Oui. Mais Ouais. qu'on y a qui l'a décidé pour aller au One for Office? Est-ce que tu es... Parce que, me réaliser, peut-être, dans l'année 90, je ne suis pas convaincu boy ici, là, peut-être, un petit petit, je ne pas vraiment comme comment la communauté a été évoluée. Mais me réaliser que ces derniers temps, on dit dans l'année 2000 jusqu'à qu'on y a, qu'il y a un pile haïtien-américain qui involve dans la politique. D'ailleurs, on était dans une conférence semaine passée, il y avait tout un panel avec rien que des Haitian American Ouais, elected ouais, officials. ouais. Est-ce que c'était même bagaille là dans la période de l'autre vini? Est-ce que tu as des Haïtiens modèles qui peut-être t'es dans office boy ici là qui t'inspirent dans le sens ou bien qui ça qui vient de pousser rentrer? Pas pour qu'on ait un Haïtien élu aucun côté aux États-Unis. Mais en réalité, il y a des Haïtiens modèles. Tu as des hommes d'affaires modèles, le peu qui te gagné, pas de pile. Ou tu as par exemple, Père Jean-Just qui est un modèle de leadership dans la communauté. Hein? Ou tu as des pasteurs qui étaient modèles, par exemple, dans la communauté, hein, tant que pasteur Maxi et pasteur Emmanuel. Ou tu as par exemple, Père Dabouze, qui était dans Notre-Dame d'Haïti à cette époque, ensemble avec Père Wensky, qui était prêtre en chef dans la paroisse. Hein. C'était des gens qui étaient modèles. Mais la communauté n'a pas de ça que lié à cette époque. Le rentré là et
en 81, le moment rentré dans high school dans Miami Edison, et c'est sûr que tout haïtien t'a une peur énorme, une peur profonde en termes de comment il a évolué dans zone, surtout jeune dans l'âge moyen parce que il était qu'on attaquer nous en pile, il était qu'on ouais, c'est vrai, t'es une grosse crise d'identité tout pas période ça. Crise d'identité. Et plus tard jusqu'en 1987, le vin j'ai audi en anglais en viro et bon dans l'engagement et boycien un jeune haïtien qui était tué tête li et parce que ménage li qui était américain vin apprendre que c'est haïtien monsieur suicidé tête li à cause de ça. Cela veut dire tu es en crise et énorme qu'on y a qui paraît sous différentes formes mais d'accord dit nous vin commencer apprendre étape yo. Étape yo, c'est comment que nous sortis dans communauté de réfugiés pour nous venir un statut d'immigrant. Et parce que, étant que immigrant, ou un statut légal qu'on y a, comment que nous sortis dans statut immigrant pour nous venir des mounes qui vraiment prennent part entier dans population. Et qui va influencer décision yo. Influencer décision yo. L'ovin citoyen, un citoyen de pour première génération, tant que mounes qui précède mieux avec moi-même, qui. Qui était dans un groupe qui est plus jeune à l'époque ça. Et puis, c'est à partir de l'évolution, ça, que, avec un pile activiste tout, que en 1900, je crois, et au commencement de l'année 90, dans la fin de l'année 90, que on monte en cours Philippe Desroses vin élu premier haïtien qui est élu aux États-Unis. Et puis avec Marie Saint-Fleur tout qui vient élue dans même époque là dans Boston comme député. Donc ça va déboucher sous élection Joe Célestin comme maire de Haussmann Désir comme conseiller municipal dans notre Miami en 1999, Philippe Brutus en 2000 et chiffre date mais pas exact année, mais oui, pas exact, exact oui, mais cependant c'est... quelques mois avant ou bien après époque ça yo qui baille opportunité que nous gagnons qu'on y a pour nous gagner haïtien qui est élu un peu partout nous gagnons presque plus une cinquantaine de haïtiens élus aux États-Unis qu'on y a là. Oui, c'est ça pour moi-même est très très important. Mais là le nous haïtien que nous élus mais moins réalisé que premièrement nous fait fierté communauté a mais nous gagnons en pile bagaille pour nous prouver tout. Correct. Parce que nous sommes nation d'immigrants. Correct. Et ici, là, l'immigration est toujours un sujet qui est à la mode, et ouais. surtout pour nous, tout, non sens. Est-ce que vous avez des postes côté visé bien spécifiques, avant bien sûr que vous allez comme commissionneur Bon, et première position que vous êtes élu là dans l'île, c'est comme conseiller municipal, comme councilman, j'ai envie de dire en anglais, dans notre Miami. C'était en 2002, octobre 2002, et t'es gagné Haussmann Désir qui démissionnait de position hein, à cause de quelques issues qui étaient présentées. Et puis, un groupe de leaders dans la communauté, hein, en particulier Joe Célestin, et qui était maire à l'époque, monsieur Fampil démarche auprès de moi pour me candidat. Raison est parce que j'étais très actif dans la communauté hein, en termes d'activisme sous question. Immigration sous question business, parce que j'ai à peine quelques années que j'ai fini gradué FIU avec un degré en finance, et puis j'ai fait un show dans la radio pour aider éduquer mon au point de vue business, comment pour j'ai envie de dire, élargir quatre business sur base. Et puis, monsieur, j'ai cherché un monde qui non seulement jeune, actif, et puis qui commence à comprendre les choses. Je me dis commencer parce que tellement il y a des choses à apprendre. Oui. Et puis, il y a une pile de matchs qui fait auprès de moi. Et puis, porter pour candidat de façon très timide, ça. Je n'ai pas vraiment voulu faire ça. Mais de conseil avec famille, de nous parler de ça plusieurs fois. Joe en particulier, finalement, vient convaincre moi que c'est un bon bagage à faire. Et puis, c'est dans l'époque ça que nous avons élu, en 2002, comme conseiller municipal dans notre Miami d'abord. Et puis, qu'on y a, c'est tout un cheminement qui peut le faire. Donc, tout un cheminement, tu as des hauts et des bas, parce que je viens de lancer une campagne qui en 2005 pour devenir maire et Miami. Je suis bien content si c'est Miami de 30. Je travaille tout ça. Oui. Maire dans la ville de notre Miami. Oui, Miami, oui. Et tu as gagné. Depuis l'époque, la population haïtienne était très forte dans la ville de Miami.
Mais grand pile m'était conseillé m'aller comme candidat, tu gagne deux problèmes à cette époque. Premièrement, et je viens réaliser plus tard que c'est une décision prématurée. Je n'ai pas encore de maturité et politique assez politique. Deuxièmement, la communauté a été extrêmement divisée sur question à l'époque ça, qui était gain pour ouais avec renversement gouvernement Jean-Bertrand Aristide. Et puis que même sous pas non camp et population en métro non camp. Donc ça veut dire dit là que malgré que pour ça qu'a fait là pas aucun rapport avec politique en Haïti, les communautés non l'aime de pas l'aime de pas rapport direct qu'a dit communauté a justement fait propre politique haïtienne et mettel de sous table politique haïtien et puis c'est comme ça qu'on élection que me gagne que me doit gagner mais haute et puis me perdu lui parce que communauté divisée autour de convergence me pas contre sous convergence avec la Valas et gagne deux explications avec pour ça raison est parce que nous t'es un petit peu moins mature que qu'on y a politiquement côté par exemple que m'gien loi et candidat et puis Karel pas supporté moi mais cependant l'homme finit lui me représente au tout oui bien sûr donc de ce fait étant qu'on élu qu'on y a m'gien loi une position PAM vis-à-vis d'un bagage en Haïti, mais cependant, vous représentez tout le monde. De ce fait, position PAM doit arrêter et en privé dans le cœur, ou bien doit parler dans les coulisses avec des amis, mais cependant, population en vlèque au public. Et au public, mais vous connaissez. Ça qu'a fait en Haïti, à son côté. Exactement. Alors donc, que travail ou pas, vous pouvez faire rapport pour influencer les politiques. Ce n'est pas que je n'ai pas ta composition à l'époque. Non, mais ça qui est venu arriver, c'est que, traditionnellement, je n'ai pas gagné. Bon. Traditionnellement, les familles avaient nous fait s'y déplacer et aller en vacances pour bien être timonio, pour qu'on ait un petit peu de temps et pour nous être ensemble, pour nous être connectés, pour nous sortir de pression ou bien stress qui gagne dans le travail que m'a fait. Et à cette époque, petitement, j'étais très petit. Et puis, madame, j'ai envie de dire, j'étais schedule, un week-end avec Mickey Mouse pour aller en Orlando. Et puis même moi-même qui Orlando et puis une temps des gens qui après les moi à cette époque qui dit que et bon mon yo gonde bala est-ce que so, ou c'est convergence ou bien la balance qui l'a trouvé et on voit dit que c'est convergence on voit dit que c'est la balance donc on pas cadre sur personne non élection arrivé tout on était là caillou parce que yo par contre qui sont il a demandé mal défendre tête mais les gens de Baïsa ou avec toute franchise les gens de Baïsa yo et plus pour bien-être communautaire au lieu que de prendre parti qui pour continuer et déchirer nous plus comme communauté plus au bénéfice de communauté au lieu de profit politique personnel par moi quelqu'un qui a pensé que c'est politique que m'a fait l'homme dit ça mais ça c'est j'en mon estime donc il y a des conseillers qui étaient exigés que malgré des monde dans radio qui a attribué ma des bagages que pas l'homme dit non après élection c'est là m'a toujours été bien sûr. Et moun sa yo m'a passé sous route yo et après crise politique en Haïti a tout après été haïtien et nous pouvons arriver là mais on va le dire c'est tempérament ça qui fait que même moun qui était à déchirer mon deux boy c'est yo qui fait mon commissionnaire après parce que après mal auprès de yo me dit bon qu'on y a élection finie on parle les communautés bon maintenant ni bon ça et puis il y a des gens qui trouvaient que c'était une attitude qui est très appropriée, qui était très conciliante. Et puis qui veut pousser après. C'est honnêtement Mabdou à 90% après bon Dieu avec famille, c'est moun sa yo qui dit non, monsieur doit représenter nous après. That's good. Yeah. That's good. Yeah. Mais connait ça fait de où justement connait premier haïtien qui arrivait dans poste ça. Bon, ça fait de moi. Est-ce que pendant que ou t'es dans campagne, ou t'es senti pour ça tout. Parce que a toujours gagné ça veut dire chercher fierté. Ouais. Premier haïtien qui fait ci, premier haïtien qui fait ça, et ça, c'est un pile bagaille. Au-delà du job que vous avez pour faire, vous avez justement pour ça, parce que toute communauté a vu regarder dans ce sens. Oui, bon, et il y en a un que je suis fier de l'être en haïtien, c'est le fait que après presque 40 ans, sans créole, on a fait interview ça là. Yeah. et haïtien 100%. Et donc, pas gagné qu'à prétirer ça, non, parce que ça me vient réaliser à mesure que m'a grandi dans le système, non. Et le plus que nous songeons qu'il est ce que nous est, c'est plus que respecter nous. Yeah.
Donc, depuis fort tour. Exactement. Donc, m'embrasser ça en pile. Et il y a des gens qui sont très qualifiés, qui sont candidats avant moi, tant que Philippe Boutus, qui était député avant et puis qui était candidat pour County Commission après, qui n'est pas passé. Il y a Lucie Tondreau, qui vient magistrat notre ami plus tard, mais qui était candidat avec moi, qui est un monde qui est très extrêmement articulé, en pile travail civique dans la communauté, qui n'est pas passé. Et moi-même, je suis le candidat en face, même monde qui était candidat, et 12 ans après que Moun s'avait dans le bureau. Au premier moment, je n'ai pas pensé le possible, mais Jean-Claude Abdoulan, c'est pour une position que je décide, même avec la première fois, je n'ai pas décidé de mal candidat pour lui. Il y a des gens qui relaient moi, il y a des gens qui rencontrent avec moi, il y a des gens qui font de gros pression pour moi, sous moi qui dit que je voulais que je me candidat. Et au jeu d'assurance que tu as besoin ou aller. Exactement. À un moment, ça, je réponds à l'appel là à cause de l'assurance là. Et définitivement, consultation avec la famille ou bien des amis qui proches. Et puis, que je fais décision. Mais, le mine fait décision, mine senti yon vraiment yon énergie, yon force, yon courage, yon assurance que son course que nous avons gagné. Mais, ça qui était plus difficile là-dedans, c'est le fait que dans l'histoire county, j'ai envie de dire en anglais, ça relève de power of incumbency. Les gens qui sont en position ont rarement perdu. Dans l'histoire, quand c'est son seule fois qu'on monde en position ont jamais perdu déjà. Et c'était un blanc vis-à-vis d'un autre blanc. Et c'est pour la première fois que moi-même, je gagne vis-à-vis d'un candidat qui était en position déjà. Et qui vraiment, j'en suis dit tout à l'heure, son on charge qui qui loue en pile pour nous déporter. Justement. Et moi lis sous dans le sens que je suis bien content que à chaque fois qu'on dit ou pas prendre décision pour contre parce que ou t'es fait erreur déjà première fois t'es senti ou vient réaliser côté immature et ou pas pour comparer et en 2016 pile monde t'a poussé pour aller dans l'élection qu'on pour aller là connait. Correct. Oui, ou pas d'aller. Correct. Oui, parce que pour une communauté qui a émergé, pour une communauté qui a grandi, m'ta ka di histoire communauté aussi important que ça que moi-même qu'a achevé individuellement et peut-être plus important même globalement pour communauté que ça veut dire quatre ans après le vin dans commission vin non même chairman Boardland qui c'était un grand honneur donc qu'on y a mis en charge de tout bureau tout commissionnaire honnête et de toute question législative qui peut faire dans toute county hein et county en son county qui est énorme à partir de ça il était en gros pression parce que à cette époque c'est parti démocrate là parti démocrate en Floride là en consultation avec parti démocrate national là qui t'a fait et qui t'a cherché un candidat pour aller en face magistrat qui était là donc son tentation qui était fort en pile et mais encore m'aller me rentrer en consultation avec un pile monde qui était autour de moi un pile leader dans la communauté hein, particulièrement dans la communauté noire américaine avec haïtien américain et grand pile en yo m'ta ka di à 90% majorité monde te dit yo encouragé pour mal dans course mais dans 10% pas d'accord yo c'était des monde clés et c'était des monde comme si parmi eux, je pense que c'est eux-mêmes que vraiment je dois attendre. Et parmi eux, il y en a tout qui pas trop fanatique, moi, mais cependant qui pensait que ils responsables pour dire de grandes vérités et pour la cause noire globale. En bref, à cause de ça, et je pense que minorité hein, à cette époque, c'est eux-mêmes qui ont fait mal dans l'élection. Et je viens réaliser plus tard et m'te fait une décision qui était plus appropriée à cette époque que m'battant l'élection 2016. Et là qu'on y a ou annoncé candidature et au bois là qu'on y a dans l'élection l'année prochaine pour venir maire de Miami Dade County. Oui. On garde le job là et en face qui ça ça impliqué et puis bien sûr nous pourrons aller vers qui ça veut dire tout pour communauté. Oui. Et la différence qui est entre 2020 à 2016, c'est que 2016, nous étions chairman board. Ça veut dire, et après magistrat, nous étions deuxième personnalité dans la région, dans le board, county commission. Et puis, nous avons gagné un agenda qui était très ambitieux. Et étant qu'haïtien, je ne voulais pas quitter à mi-chemin parce que il n'est pas présenté bien dans l'histoire communauté. Donc, et puis, l'autre bagaille là c'est que magistrat
et après la non-élection, je souhaitais gagner un pile cob dans main pour faire élection et je ne pas penser qu'il était vraiment vulnérable à cette époque. Et qu'on y a en 2020, chaise en vide parce que monsieur pas calé l'élection encore. Monsieur pas calé l'élection encore. C'est sûr que en 2016, si son cousin qui pas partisan, il est non partisan, mais cependant son cousin en 2016 qui que Parti démocrate n'a devait faire partisan parce que magistrat et enregistré comme républicain, moi même enregistré comme démocrate. Mais en 2020, ça qui est différent, c'est que il y a différents monde qui est démocrate qui enregistré en course là et puis il y a différents monde qui est républicain tout qui enregistré en course là. Donc ça fait un petit peu plus compliqué, mais puisque son chaise qui ouverte, qui open, j'ai envie de dire, hein, il est un petit peu plus facile pour que moi-même, mal dans le deuxième tour. Et vous parlez de l'agenda tout à l'heure, peut-être 4 ans, ça vous permet que vous réussissez, mettez plus bail dans le palmarès. Oui, c'est correct, parce que chaque côté me passé qu'on y a, m'a parlé de candidature en 2020 comme candidat pour maire pour 41 ans. En pile, monde fait allusion à travail moins et à agenda que m'te gagne pendant m'te chairman. OK? Parce que nous t'ai soulevé un dossier, un agenda pour aider et augmenter prospérité et monde qui travaille, prospérité économique, financière et monde qui travaille dans toute région. Hein? Et nous t'ai prend des positions, nous t'ai fait passer des lois qui étaient vraiment fait avancer l'agenda ça. Donc, à cause de ça, il y a vraiment ben nous, un peu de bagage pour que nous avancions dans tout ça. Tout à fait. Konya, qui est l'élection? Qui ça ou tu as souhaité de communauté haïtienne? Bon, ça c'est une bonne question. Hein? Premier tour élection, c'est 18 août 2020. Deuxième tour élection, hein, c'est même avec présidentiel, c'est même avec présidentiel en novembre 2020, quoi, c'est 3 novembre. Ça me souhaitait de communauté haïtienne, hein, c'est que son élection en réalité, tout le monde qui a une capacité, il faut mettre main à la pâte. Pour plusieurs raisons. Ce n'est pas un bagage qui est important seulement pour fierté haïtienne, il est aussi important pour fierté noire dans la région en général. Parce que pourquoi j'aime gagner un maire noir dans le county? Je ne dis pas un maire haïtien. Pourquoi j'aime un maire noir qui est maire dans le county? Et c'est une seule fois qu'un candidat noir est arrivé dans le deuxième tour déjà. Donc, leur communauté en fin aide à arriver dans le deuxième tour là. Je prends le deuxième monde qui arrive dans le deuxième tour. Et puis deuxième m'pral... noir. Qui deuxième dans... noir qui vient dans le deuxième tour, merci. Et je prends le premier noir qui gagne. Et élection hein, comme maire Marie-Dade County. Donc ça qui fait ça important, c'est sûr que nos communautés côté noir sont en minorité, parce que noir là représente seulement 20% de population Marie-Dade County, hein, de population région métropolitaine Marie-Dade County. Hein. Et encore nous, je dis ça pour que nous ka inspirer les jeunes, pour que nous encourager mon le par exemple ou ouvrir fonds bagay qui est important, pas quitter personne turn you down. Parce que si c'est pas de ça, m'pas tap là, je vous dis, hein, l'homme élu comme anti-commissionnaire, comme anti-commissionnaire, haïtien t'es minorité dans le district que m'représente. Hein. Nous t'es 26% dans le district que m'représente. Hein. Et voilà-t-il que population hein, reste 74%, mettez avec 26% haïtien yo pour élu. Et le chairman Boadlan, c'est seul haïtien qui n'en Boadlan parmi 13 membres dans la commission. Boadlan élu. Élu à l'unanimité, moi je sais. C'était pour la première fois que Boadlan élu un candidat à l'unanimité dans l'histoire canadienne pour Vin chairman. Donc à cause de ça, et possibilité là que nous faisons de plus grandes choses au nom de la communauté. Hein, mais il faut tout le monde mettre main à la pâte. Ce sont citoyens américains, quel que soit côté où ils vivent sous la terre, ou qui participent dans l'élection, qui votent. Ce sont résidents, et quel que soit côté où ils vivent sous la terre, ou qui contribuent et financièrement en élection comme ça. Sous pas citoyen et pour pas ou pas résident, ou simplement qui fait parole dans le marché,
OK? Mande famille ou pour participer dans l'élection, hein? Parce que n'a pas encouragé monde qui pas citoyen pour pas même tenter et participer même parce que aux États-Unis il est illégal et si monde n'a pas citoyen pour le participer. Tout à fait. Donc on y a communauté a gain deux voix pour la faire là. Mais en pile monde peut-être qui boy site là et a brancher sous élection ça parce que moi j'ai plusieurs monde qui relaient qui dit moi pour rencontrer et commissionnaire il est important pour poser le question ça tout il y a deux questions en particulier que proposer pour moi demander haïtien divisé un peu partout dans county est-ce que il y a des lois des mesures ou bien des bagages qu'on peut renforcer qui ca aider communauté à directement est-ce qu'on a cité aussi gain on nous fait tout ça déjà Nous fait tout ça. Nous fait tout ça déjà et nous et m'daka dit c'est ça qui fait que dans deux élections que me sorti pour county commissioner et m'réélu à plus que 64% dans toutes deux élections ça yo et avec vote haïtien avec vote américain avec vote l'autre blanc et espagnol espagnol qui dans district qui satisfait le travail pas non parce que et gain premièrement nous font représentation et qui que nous désirer côté nous faire tout ça nous capable pour montrer un visage positif de communauté noire I'm trying to choose my words yes pour que premièrement nous battre pour représenter communauté hein, en façon qui digne de communauté hein. OK pour que nous ca quitter un meilleur exemple un meilleur héritage pour jeunes yo parce que tant comme tu dis jeunes yo le mal parle avec yo et dans l'école yo dans tout différents milieux que nous rencontrer yo dans université yo dans collège yo je dis yo si moi même étant un réfugié qui vient ici dans bateau arriver dans niveau ça ouais côté m'rivé hein yo même m'exiger de plus grandes choses de yo donc à cause de ça non seulement en termes de loi, en termes de développement économique, en termes de représentation culture haïtienne. Et l'homme dit ça, culture haïtienne dans tous les niveaux. Nous fait ça. Et nous menons des millions, des dizaines de millions de dollars dans la communauté haïtienne pour aider et en pile entité, quelles que soient ses activités et affaires. Mon cadeau où t'es qu'à compter sous doué tout combien haïtien qui a fait business avec l'État avant que je vienne dans county commissioner mais qu'on y a plusieurs d'ailleurs deux non haïtiens qui contribuaient plus déjà pour campagne moins et c'est et dans deux fundraising que je suis allé là et d'ailleurs yon nan yo hier soir c'est des haïtiens qui vient à faire business avec l'État pendant là. OK. Et ça me dit mon Dieu pendant me dit ça parce que me dit ça de façon très responsable. Et gon limite que moun ka contribuer ici dans l'élection. Oui. Ouais. Il faut que tout bagaille clair. Yeah, il faut tout bagaille clair, faut tout bagaille rapporté. Et son bagaille qui très normal, qui très légal que on moun qui a fonctionné dans l'État ou bien qui a travaillé dans l'État ou bien qui a fait business à l'État que le bar en contribution s'il voulait. Oui, s'il voulait. Oui. Donc à cause de ça grand pile monde qui fait business à l'État, centre communautaire yo nous aider à joindre l'argent et gagner nous aider joindre pile cob et puis m'ta ka dizi dans district en général depuis que me fini lui hein, nous menons plus que 2 milliards de dollars d'investissement dans district. Hein. Wow. Dans plus que 30 ans, c'est pour la première fois par exemple que un hôtel a bâti dans district ça. Non. OK, dans plus que 30 ans. Ouais. Et dans plus que 30 ans, il y a des projets qui évaluent à plus des projets de développement économique qui évaluent à plus que 200-300 millions de dollars, c'est pour la première fois dans l'histoire district ça que a fait. Et donc en pile dans ça que vous mentionnez là, vous répondez un petit peu long. Oui, non, dis bon que détail ça parce que je crois que détail ça est important parce que une importance interview ça pour moi tout et une importance que moi là, c'est parce que très souvent nous dans la communauté mais nous pas contre moun yo parce que soit nous pas gagne assez de médias qui exposé ou bien qui travaillent sur yo ou bien soit c'est des interviews circonstancielles que nous fait avec eux côté que mon on juste parler de un bagage bien ponctuel mais pas vraiment chita pour nous faire conversation donc mais important qui aime ponctuer de l'autre bagage qui est important et parce que pendant m'a dit ça me songe en déclaration que me lit de
de Warren Christophe, qui dit que le par exemple, nous avons une chance pour nous mettre non en set nous, non pas nous, sous des bâtiments. Le par exemple, nous avons construit et des musées qui montrent valeur nous. Le ça, non seulement nous avons fier de tête nous, mais l'autre nous a fier de nous tout. Tout à fait. Et donc, et c'est pour la première fois dans l'histoire et Kantian que. Gagne un centre communautaire qui construit par un haïtien qui pote non haïtien. On t'a dit gagne des rues qui pote non haïtien. Mais pour un centre qui construit par haïtien qui pote non haïtien, c'est centre Fader Gérard Jean Juste que m'a conseillé au visiter. Ouais, m'a fait ça. Et y en a employé bureau en 44 compte assis avec lui. M'a dit ça qui est important pour me souligner ça. C'est plus grand centre communautaire qui gagne dans toute county en net. OK, c'est le côté plus cher que tout centre communautaire dans toute county. Wow. Et county en sorti de Homestead River Miami Garden, sorti Miami Beach, River Hialeah. Oui. Et pas un centre communautaire qui gagne figure ça, qui est prestige ça, qui semble avec. Wow. Et le côté non haïtien, son haïtien qui fait. Père Gérard Jean Juste parce que il était important pour moi-même qui ton immigrant sans papier à cette époque et qui était gagne des monde qui à la prison tant qu'on fait le Jean Juste pour goumer pour aider nous tant qu'on joindre papier qui fait que qu'on y a une position côté m'a goumer pour aider l'autre pour joindre papier. Ça un bagage qui était important pour nous souligner. Deuxième bagage qui est important pour le souligner même Haïti est bénéficié de relations nous dans county de travail nous dans county dans la mesure où et pendant que là dans county nous fait jumelage entre port à Miami et qui c'est et capitale croisière mondiale parce que c'est nous qui recevons plus de monde qui est en croisière année ça plus que 8 millions de monde passer dans port là en croisière et port qui en deuxième position va même recevoir 3 millions de monde. Donc ça veut dire long way nous avons un jumelage que nous avons créé entre port Miami avec autorité aéroportuaire en Haïti APN et puis nous font jumelage tout avec aéroport Miami avec aéroport Haïti parce que deux entités ça aéroport Miami avec aéroport là c'est propriété Kantian donc jumelage ça bien entendu il y a des travaux qui ont commencé fait sous des gouvernements haïtiens dans le passé et pas un suivi qui fait qu'on y a nous t'as espéré que avec un prochain gouvernement un suivi qui fait na yo et comme là comme pas là et jumelage ça ou bien et MOU ça yo aussi hein. OK et quand si en disponible pour accompagner et Haïti dans la mesure que ça fait et puis relation ça a plus grandi encore l'homme vient mère dans Kantian. Tout à fait. Et oui, l'homme vient mère dans Kantian à partir de novembre année prochaine. Faut préciser mon ça. L'autre question que mon t'ai posé que me trouvais que était intéressant pour me demander ou tout. C'est que oui, ou ça ici, j'aime Abdoulan, li important pour communauté A, mais ou représente toute l'autre communauté de groupe technique. Comment ou connexion y avec l'autre groupe ça? Dans le sens que ou supportant pile, moi ou supportant pile initiative haïtien, est-ce que ou fait pour l'autre et communauté ou tout? Et moi, tout de bagay qui est important, c'est que haïtien comme bagay qui bon là-dedans en pile. Et c'est ça qui permet que nous réussissons en pile bagay que nous faisons. Haïtien exigeant à tête li en pile. Haïtien exige en pile de l'autre compatriote haïtien en pile. C'est pas pour nous ça comme un bagage négatif, c'est pour nous comme un bagage positif. Parce que being better, there's nothing wrong with being better at anything. So si la veut dire que si par exemple exigeant sur pour rendre que nous vienne plus fort en tant que individu et communauté, il bénéficie tout le monde. Tout à fait. Me dit ça pour me dire que nous fait beaucoup plus choses dans la communauté haïtienne que la communauté étrangère. Parce que premièrement, nous sommes haïtiens. Même quand nous avons autant d'appréciation pour nous dans la communauté étrangère que dans la communauté haïtienne. Parce qu'on représente tout le monde. Autant d'appréciation pour qui ça? Parce que et politique pas un petit peu différent de politique traditionnelle dans le district que je me représente et puis dans la communauté en tout. Et il y a des gens qui t'ont montré comme une faiblesse le fait que mon politique d'ouverture, mon politique qui ouvre la porte à tout le monde. Et dans le système, les gens t'ont dit que c'est une faiblesse que l'on était au commencement. Et au commencement, vraiment, c'était une faiblesse parce que l'accès, j'ai dit, était overwhelmé. Tout le monde rentrait là dans le meeting toute la journée, toute la nuit avec tout le monde.
ni moun ki riche ni moun ki pov, ni moun ki gen ni moun ki pa gen, ni moun ki save ni moun ki pa save. Mais et c'est lig vin force mwen konnen dans la mesure que toute population vin wè que si yo bezwen bagay même le yo pa nan di stream que mm-hmm. moi présenter an yo vin côté moi le yo besoin et en compte le yo pa ka jwenn avec on l'autre commissionnaire yo vin côté donc à cause de ça ça permet que haïtien m'pa di Jean Monestime non parce que Jean Monestime m'a passé haïtien gon image qui très positif dans l'autre communauté yo et ça t'est très important pour moi parce que étant qu'on on premier élu dans position ça et puis dans niveau ça m'te vle que si me fait ça de façon d'une façon qui est satisfait et m'ta ka di mainstream non comment dit mainstream encore et Andy classe élite là et y a pour rendre plus facile yo même l'autre haïtien vin élu ou bien vin remplacer nous et y a vin rendre plus facile. Donc à cause de ça me penser haïtien qui peut remplacer dans position en tout la plus facile pour lui parce que nous montrer capacité et m'a dit ça avec un peu d'humilité nous montrer capacité nous montrer leadership et nous montrer humilité tout donc me penser c'est ça qui fait que mon yo apprécie nous dans l'autre communauté tout à fait c'est très important moi bien content et compliment pour ça pour qu'on y a nous peut-être fini interview ça m'a vidéo que moi-même me certain que c'est comme ça tout haïtien pensé j'aime d'ab dou là depuis youn fait fierté nous c'est route là qu'on tracé ça veut dire montrer que gon possibilité là certainement gagne des monde ou tu mentionné tout à l'heure gagne des monde qui aller dans poste côté koya qui pas réussi mais c'est route là que on t'a tracé quand même correct. Et ou même ou juste suivre lui et peut-être on va l'ouvrir plus on tracer plus route pour communauté a et moi que communauté a lui même malgré tout ça que nous capable dire division et toute gens que nous éparpiller etc mais là pour mettre tête nous ensemble nous mettre tête ensemble et souhaiter que tout monde mette tête ensemble d'ailleurs pour capable moi cher Sam qu'a dit en conclusion parce que on voulait finir mais et division est dans l'esprit que lié. Nous pas vraiment autant divisé que monde passé. Que monde passé parce que c'est même bagarre là qu'a parlé dans l'autre communauté parce que moi opportunité qu'on a qui unique à moi-même que me présenter et différentes communautés. Et le nal dans communauté ça yo, je toujours dit yo ta remet en pile fois gagne yo qui dit yo ta remet uni tant quoi ici yo. Et puis d'autres fois dit OK go. OK, donc question que la poser qu'on a long on le nap dit que nous c'est nous puis diviser est-ce que nous t'es jambes cubains déjà est-ce que nous t'es jambes justement quand je peux pas comprendre comment l'autre nous communauté nous pas connaître vraiment à moins que ou vraiment et participer non, de façon très profonde dans l'autre communauté ça c'est sûr que il y a des bagages que vous faites bien que nous ta doit apprendre mieux et vous même vous gars pour apprendre mais division qui gagnait dans niveau pas si nous t'es gain problème dans même sous même issue yo, nous t'a divisé tout par exemple sous dictature haïtien en Haïti nous t'es dans même position avec eux tout haïtien ici t'es uni autour de renverser la dictature même j'ai même été uni sous renverser et dictature et dans pays par mais qu'on y a c'est l'inverse et qu'on y a yo plus divisé que nous mêmes parce que gon génération cubain par exemple qui grandit ici a fait Cuba pas parler de ça parce que yo même yo gantan sak fait ici yo gantan petit ici oui c'est vrai yo gantan petit ici yo pas connait de Cuba donc on y a ouvla le Cuba alors que grand-mère yo a grand-père yo pas voulait aller donc ça veut dire que yo gon l'autre problème donc mais nan sou ga ça fait me répondre sur ça parce que sou ga nan monde pam nan m vle faire la promotion de bagay qui rend nous plus fort yo même si yo petit et faut nous concentrer sur eux. Nous concentrer sur eux. Et me parler de manger haïtien en pile parce qu'il y a un bagage que nous gagne puis bon et puis nous faut nous concentrer sur lui. Et me parler de côté nous unis au plus que bagage qui divise nous au plus. Tout à fait. Parce que si nous concentrer sur côté nous fort, moi j'en a beaucoup plus pour. Eh ben parfait. Et ben souhaite un bon succès dans l'élection yo. Merci. Et m'espérer peut-être puisque nous gagne toute une année là, peut-être n'a font parler là ça peut-être suivre vous en campagne tout dans l'autre communauté yo pour me garder ouais pour me garder ouais comment ça évolue parce que j'aime Abdou là, l'important que nous mettez spotlight sur des success stories. Et c'est ça capable qui inspirer des monde. Moi souvent pile monde dans émission, moi souvent pile monde qui gagne une histoire pour raconter.
mais trop souvent moi pensais que on connaît idée à tout ah et nous pas régler un boy site là et surtout nous dans situation qu'on est côté que chaque crise qui vient en Haïti gagne un vague monde qui immigre boy site donc si yo immigré et puis yo gagne l'autre monde qui kembe men yo pour avancer peut-être difficulté qu'on gagne ou bien formation qu'on pas gagne l'autre gagne 17 ans il a joué nous même il a fait d'apprendre si nous yo a fait de grandes choses peut-être ça c'est sujet yon l'autre yon l'autre conversation ou t'es dans conférence en l'autre jour ou combien professionnel haïtien qui est là dans système ça là côté nous est là il y a avocat haïtien qui représente county haïtien je dis qui représente county il y a professionnel haïtien à tous les niveaux qui représente différentes municipalités qui représente county à tous les niveaux et il y a une capacité énorme de haïtien compétent dans système là qui a évolué non et n'a pas réglé pile bagay ici n'a pas les sous ça. Merci beaucoup commissionnaire. Merci. Bon succès. Merci, merci en pile. Good. Merci.